même je t'ai dit ça pour l'année, je vais te comme un exemple de devoir de contrôle numéro 4 en mathématiques pour le deuxième année sciences. Donc l'exemple avait fait trois exercices. Le contenu par devoir. Donc l'exercice le dit, soit UN une suite géométrique d'horizon Q du premier terme U0. Donc, Aoulhaja, calculer U5 sachant que U0 égale à 5 et Q égale à 1,5. Donc, il y a une suite géométrique. Donc, UN égale U0 fois Q à la puissance N. Donc, c'est-à-dire U5 égale U0 fois Q à la puissance 5. Donc, U0 est 5 ou le Q est 1,5. Donc, à la puissance 5. Voilà. Donc, l'henné, bien sûr, 1,5 à la puissance 5, c'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance 5, il y a 32. Donc, égal à 5 sur 32. Question 2. Donc, calculer U0, sachant que U8 égale à 162 et Q égale à racine de 3. Kif, kif. Donc, UN égale à U0 fois Q à la puissance N. Donc, U0 égale UN sur Q à la puissance N. Donc, donc U8 égale à 162. Donc, je vais mettre l'élément à 162 sur Q lié racine de 3 à la puissance 8. Donc, racine de 3 à la puissance 8 moins 3 à la puissance 4. Donc, égale à 162 sur 3 à la puissance 4. Donc, je vais mettre l'élément à la puissance. Donc, 162 sur la puissance 4. On trouve 2. Voilà. Question 3. Calculer Q sachant que U2 plus U4 égale à 108 et U3 égale à 24. Donc, bien sûr, UN égale à U0 fois Q à la puissance N. Donc, atteint U2 plus U4. Donc, U2 égale à U0 fois Q à la puissance 2 et U4 égale à U0 fois Q à la puissance 4. U2 plus U0 plus U4, donc égal, je me prends U0 fois Q à la puissance 2 plus Q à la puissance 4. On atténue U3 égale à 24, donc U3, kif kif, il y a U0 fois Q à la puissance 3. Voilà. Donc, l'année, je n'ai pas là aujourd'hui, ma douche, le Q, c'est kif kif, on m'a neige U0. Doubène, U0, l'année. Donc, on a une relation, l'ENF suite géométrique, une relation entre donc, deux termes quelconques. Donc, il y a UN égale UM fois Q à la puissance N moins M. Okay? Donc, l'ENF, il y a une relation entre U2 et U4. Donc, U2 égale U4 fois Q à la puissance 2 moins 4. Donc, U égale U4 fois Q à la puissance moins 2. Ok. Donc, c'est-à-dire U2 sur U4 égale à Q à la puissance moins 2. Donc, U4 sur U2 égale à Q à la puissance 2. B. Il y a relation. Donc, on a U4. Bon, on a en fonction U4 en fonction de U0 et Q. On a U3. Donc, on a Z. U3, donc, kif-kif, je vais vous dire les relations, les plus tard, je vais vous dire. Donc, je me chauffe une relation entre U3 et U4. Donc, U4 égale U3 fois Q, donc, à la puissance 4 moins 3, donc, fois Q. C'est-à-dire, U4 sur U3 égale à Q. Voilà. Donc, on a U4 sur U3 égale à Q. On a U4 sur U2 égale à Q. Au carré. Donc, là, je me chauffe une relation entre le U3 ou le U2, kif kif. Donc, U3 égale U2 fois Q à la puissance 3 moins 2, donc c'est-à-dire fois Q. Maintenant, U3 sur U2 égale Q. Donc, U3 sur U2 égale à Q. U4 sur U3 égale à Q. Ou U4 sur U2 égale à Q à la puissance 4. Donc, on a un management photon. L'année. On va avoir le rapport à l'année. Déjà, on a U3. Donc, on a U4 sur U2 égale à Q au carré. On a U4 sur U3 égale à Q. On a U3 qui est sur U2, donc égale à Q. On a U2 plus U4, on a fait. Donc, U2 plus U4 égale à 108. Ou U3 égale à 24. Voilà. Donc, déjà, l'année, l'U3, elle est donc U3
égale à Q fois U2. Donc, il y a 24. Ok? Donc, il y a 24. Donc, il y a le Q fois U2. Donc, t'as là. Donc, Q U2 égale à 24, c'est-à-dire U2 égale 24 sur Q. B. L'énergie normale, U4 égale à Q fois U3. Donc, je m'en ai U3 lié à 24. Donc, U4 égale 24 fois Q. Voilà. Donc, dans mon sujet, je vais faire comme l'année. Je vais aller à U2 lié à 24 sur Q plus U4 plus 24 fois Q égale 108. Je me trace 24 en facteur. Donc, 1 sur Q plus Q égale 108. Donc, l'année, je maximum à l'arbre. Donc, 108 sur 24, il y a 4,5. Donc, 1 plus Q, 1 sur Q plus Q égale 4,5, c'est-à-dire 9,5. Donc, l'année, donc, bien sûr, je vais faire le Q. Donc, 1 plus Q au carré sur Q égale 9 sur 2. Alors, 1 plus Q au carré, donc l'année fois 2, égale à 9Q. Donc, 2Q au carré plus 2 plus 9Q égale à 0. Résolution d'une, donc l'année équation de second degré. Donc, A égale à 2. B égale à 9 ou C égale à 2. Donc, delta égale à B au carré moins 4 fois 2 fois 2. Donc, moins 4 AC. On trouve l'année. Donc, bien sûr, belle calculatrice. Donc, 9 au carré moins 4 fois 2 fois 2. Donc, égale à 65. Ok? Donc, on peut déterminer que A qui est égal à moins B moins racine de delta sur 2a, donc 2 fois 2, et Q2 égale à moins b plus racine de delta sur 2 fois 2. Voilà. Donc, les deux, Q, qui vérifiaient cette équation. Okay? Donc, moins b, c'est-à-dire moins 9 moins racine de 65 sur 4, et moins 9 plus racine de 64 sur 4. Voilà. Donc, l'énergie de la relation entre trois termes consécutifs d'une suite géométrique, le mal A ou le B ou C, donc A fois C égale à B au carré, c'est-à-dire U2 fois U3 égale à U4 au carré. Donc, U2 plus U4 égale à 108, U3 égale à 23. Donc, U3 égale à 24, U2 plus U4 égale à 108, ok? Donc, l'année, on dit U2 fois U3 égale à U4 au carré. On dit U3 égale à 24. On dit U2 plus U4 égale à 108. Donc, je n'ai pas dit l'âme. L'année, je me hâte 24. Donc, je dois aller, on dit 24 U2 égale à U4 au carré. Donc, U2 égale à U4 au carré sur 24. Donc, je dis l'âme quadratique. Je dois aller, on dit U4 au carré sur 24 plus U4 égale à 108. Donc, dans la U4, on m'a dit qu'un argent pchoué. Donc, on a un l'année, un argent pchoué, dans la U2, on va la U2, donc un argent dans la U2, ok? Voilà, maintenant, on a plusieurs méthodes l'année de vérifier de résoudre ce problème, ok? Voilà, t'as dans l'exercice 2, donc un exercice sur la suite. Soit un, donc n dans l, la suite réelle définie par u0 égale à 1, un plus 1 égale à 1 tiers, un moins 2n moins 1. Calculer u1, u2, vérifier que la suite n'est arithmétique ni géométrique. Donc, au u1, donc je n'arrose n par 0. Donc, 1 tiers de u0 moins 2 fois 0 moins 1. Donc, égale 1 tiers fois 1 moins 1. Donc, il y a 1 tiers moins 1. C'est-à-dire 1 tiers moins 3 sur 3 moins 2 tiers. Ça, c'est U1. U2 égale 1 tiers de U1 moins 2 fois 1 moins 1. Donc, U1 est moins 2 tiers. Donc, 1 tiers fois moins 2 tiers moins 2 moins 1. Moins 2 sur 9 moins 3. Donc, égale à moins 2 sur 9
moins 9, donc 3, hier, je drop le 3, donc je drop 9, donc 3 fois 9 moins 27 sur 9. Voilà, donc égal à moins 29 sur 9, donc U2. Donc, l'année vérifie que la suite n'est ni arithmétique ni géométrique, donc n est égal à U2 moins U1, donc égal moins 29 sur 9, moins moins 2 sur 3. Qui n'a U1 moins U0, donc U0 il y a 1, donc il y a moins 2 tiers moins 1. Bien sûr, l'année est moins 29 sur 9 plus 2 tiers, je voudrais pas fois 3, donc plus 6 sur 3. Donc moins 29 plus 6 égale moins 23 sur 9. Fois 3, donc moins 5 tiers. Voilà. Donc U2 moins U1 différent de U1 moins U0. Alors la suite n'est pas arithmétique. Voilà. Kif, on va vérifier que la suite n'est pas géométrique. Donc U2 sur U1 différent de U1 sur U0. Donc, U2 sur U1, neige mon arme l'application, moins 9, moins 29 sur 9, donc sur moins 2 tiers. Donc, 29 à la 29, 3 à la 2. Je peux simplifier par 3, donc je tape 29 sur 6. Et U1 sur U0, donc égal moins 2 tiers sur 1, donc est égal à moins 2 tiers. Alors, donc, la suite n'est pas géométrique. Alors, la suite n'est pas arithmétique, n'est pas géométrique. Mais démarche d'ailleurs, ok? Mais il est arithmétique ou elle est géométrique, mais je ne t'ai pas démarche d'ailleurs. Voilà. Donc, la suite n'est pas géométrique. Voilà. Donc, question 2, soit Vn défini par Vn égale à 1 demi de Un plus 3 demi n moins 1. Montrer que V est une suite géométrique dont on précisera la raison Q. Donc Vn plus 1 égale à 1 demi de Un plus 1 plus 3 demi de n plus 1 moins 1. Donc égale 1 demi de Un plus 1 plus 3 demi de n. Ça c'est Vn plus 1. Donc, n a un plus 1. Donc, Vn plus 1 égale à 1 demi de Un plus 1. Donc, 1 tiers de Un moins 2n moins 1. Plus 3 demi de n. Donc, n 1 sur 6 Un moins n demi plus 3 demi de n. Finalement, on trouve Vn plus 1 égale 1 sur 6 Un. Donc, moins n demi, moins n plus 3 demi de n. Donc, moins n, maintenant, moins 2 sur 2. Moins 2 sur 2 plus 3 demi, donc plus n demi de n. Donc, je normale vn plus 1 sur vn. On trouve le résultat du partiel. Donc, on va montrer qu'il y a géométrique. Égal. Donc, 1 sur 6 de un, moins n demi, plus n demi de n. Je normale ça. Donc, à la n demi de un plus 3 demi de n moins 1. D'accord? Ben, l'année, je vais essayer donc de régler le basse de. Donc, je vais essayer de n demi en facteur. Donc, je vais prendre l'année n moins 1. Okay? Donc, égal 1 sur 6 un plus n demi, donc n moins 1 sur 1 demi de un plus 3 demi n moins 1. Bah, dis que je n'ai pas besoin. Je dis que je vais prendre 1 demi en facteur. Donc, je vais prendre 1 tiers de un plus n moins 1. Ok? Donc, ok, mais je vais te faire. Mais je vais prendre 1 tiers en facteur. Donc, 1 tiers. Je vais prendre 1 demi de un. Plus, il est qu'il y a un tiers, je vais prendre 3 demi. Alors, quand on a un tiers fois 3 demi, je vais prendre 1 demi. Ok? N moins 1. Voilà.
voilà, sur 1 demi de un plus 3 demi de n moins 1. Voilà. Donc, je peux simplifier les liens. Je trace finalement à 1 tiers. Donc, vn plus 1 sur vn égale 1 tiers. Alors, la suite est tout de suite géométrique de raison 1 tiers. Voilà. Donc, question les bada, calculer Vn en fonction de n. Donc, la suite est une suite géométrique. Alors, je vais changer une raison ou un tiers. Donc, l'année Vn égale une suite géométrique. Donc, il y a e, V0 fois Q à la puissance n. Donc, on peut calculer V0 qui est égal à 1 demi de U0 plus 3 demi, donc 2 0 moins 1. Le 0, il y a 1, donc égal à 1 demi moins 3 demi. Donc, on trouve moins 2 sur 2, donc moins 1. Alors, Vn égale moins 1 tiers à la puissance n. Voilà. Donc, question 3. Vérifiez que pour tout n dans n, un égale 2Vn plus Wn, où Wn est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. Donc, nous avons un Vn égale 1 demi de Un plus 3 demi de n moins 1. Alors, Un égale. Donc, je t'attends Vn moins 3 demi n moins 1. Okay? Ça, c'est 1 demi de Un. Donc, 2 fois. Qui est égal 2Vn moins 3n moins 1. Donc, soit il y a Wn. Donc, soit Wn égale moins 3n moins 1. Donc, est égal moins 3n plus 3. Donc, Wn égale 3 moins 3n. Alors, une suite arithmétique, je te dicte, donc Un ou la Wn égale U0 plus n fois R. Donc, l'n W0 égale 3 ou le raison égale moins 3. Voilà. Donc, question les bagues. Calculer la somme. Donc, la somme du UN. Alors, SN égale U0 plus U1 plus Hatechlin UN. Donc, l'année, bien sûr, l'UN, Arnaktablin, il y a 2VN plus W0. VN est une suite géométrique, WN est une suite arithmétique. Donc, la somme d'une suite est liée, je suis pchiatini, bien sûr, on a que 2, V0 plus V1 plus Htech le Vn plus donc W0 plus W1 Htech le Wn. Et là, suite géométrique, donc somme d'une suite géométrique, bien sûr, on a que 2, on a la somme d'une suite arithmétique. Voilà. Donc, on applique la formule directe. On trouve donc 2 à la roche. Donc, l'n est statini V0 fois 1 moins Q n plus 1 sur 1 moins Q, la somme d'une suite géométrique, plus on dit la somme d'une suite arithmétique. Donc, W0 plus Wn sur 2. Voilà. Donc, fois n plus 1. Maintenant, je vais chaque option que l'n est plus propre. Donc, égale. Voilà, je me rapproche. Donc, 2. V0, 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q, plus W0 plus Wn sur 2, n plus 1. Voilà. Donc, l'n, on a le Q qui est 1 tiers. W0, c'est pas Wn, c'est en fonction de n. Donc, égal. V0 est déjà moins 1, donc moins 2. Okay, donc, je me suis 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers plus donc W0 donc l'n plus Wn 3 moins 3n plus 3 sur 2 fois n plus 1 égale donc l'n je n'en peux pas. On dit 1 moins 1 tiers donc 3 sur 3 moins 1 sur 3 c'est-à-dire 2 sur 3. 2 sur 3, on a dit avec le moins 2. Donc, je te dis 2, je te parle de moins 3. Et il y a 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Ok? Plus, donc, l'n a 3 plus 3, 6, moins 3n sur 2. Donc, je peux simplifier par 2, je te parle de 3. 6 moins 3n, donc, tu as voilà. Donc, 6
moins 3n sur 2 fois n plus 1. Okay? Voilà. Donc, il y a 100. Elise, elle fait à la hacker. On peut nous commander l'exercice de toute voix. On va corriger ensemble donc l'exercice 3. L'exercice 3. Soit ABC un triangle direct rectangle isocèle en B. O est le milieu de AC et R est la rotation du centre A et d'angle pi sur 2. Construire D, R de B et montrer que AB, CD est un carré. Donc, on va construire notre triangle. Donc, c'est un triangle. Voilà. Donc, c'est un triangle direct, rectangle et isocèle en B. Okay? Donc, le triangle interne, il est A, B, C. Voilà. Donc, je n'ai un triangle rectangle et isocèle. Un objectif 4 cm maintenant. 4 cm maintenant. Donc ça c'est le point B. Donc A et C. A, B, C. Voilà. O, le milieu de AC. Donc normalement, le point O, je connais ici. Donc ça c'est O. Voilà. Donc, R, la rotation du centre A et d'angle pi sur 2. Question Loulani, construire D, R de B. Donc, on va construire R de B. Donc, l'image de B par la rotation du centre A et d'angle pi sur 2. Donc, je m'entends l'élément B, A, D égale à pi sur 2. Donc, le point interne. Voilà, donc il y a le point. Okay. Alors, montrer que ABCD, ABCD est un rectangle. Déjà, un rectangle. Donc, on a donc DIR de B. Je vais nous AB égale à AD et nous BAD égale à pi sur 2. Alors, donc, BAD égale à pi sur 2. Alors, DA. Donc, le DA, puis je suis perpendiculaire à l'AB. Alors, donc ABCD est un triangle direct rectangle, c'est-à-dire un dilinéaire. Kif l'AB perpendiculaire à l'BC, ou l'AB égale à BC. Okay? Donc, alors, ABC, rectangle et isocèle. Voilà. Donc, le montant était des coups, puis je t'attends, il nous, donc, bien sûr, on a AB perpendiculaire à ABC. Donc, les relations, puis je t'attends, il nous, AD parallèle à ABC. Ou AD égale à BC. Alors, donc, notre parallélogramme, ABCD est un parallélogramme. Donc c'est un carré. Bien sûr, 2, AB égale à AD. Donc c'est un carré. Voilà. Donc, parallélogramme. BAD égale à pi sur 2. AB égale à AD, donc le parallélogramme AD, puis je vais carré. Voilà. Donc, question 2, déterminer R de AB. Bien sûr, donc, A, il y a le centre de rotation, donc R de A égale à A, alors A, centre de rotation. B, ou R de B égale à D. Donc, R de AB égale à AD. Voilà. Donc, et montrer que R de BC égale à CD. Donc, R de BC égale à CD. Donc, je vais vous montrer. R de B
égale à, donc R de B, C, il y a la droite passant par R de B, et bien sûr, là, est perpendiculaire à B, C. Okay? Donc, R de B, C, et la droite passant par R de B est perpendiculaire à la l'angle de rotation, il est pi sur 2. Donc, elle est perpendiculaire à BC. Alors, je n'en plus que l'année. R de BC, donc passons par R de B. R de B, il y a T. Donc, non, j'allais juste faire. Donc, R de B, il y a T. Donc, passons par R de B est perpendiculaire à BC. Voilà. Donc, je n'en plus que l'année, puisque DC. Donc, égal à DC. Voilà. Construire E lié R de C et montrer que D est le milieu de CE. Donc, on va construire E lié R de C. Donc, par la rotation, l'année de centre A et d'angle pi sur 2. Donc, fin bustu, l'année le point E, bien sûr. Donc, le point E. Voilà. Donc, on a le E hier. R de C, voilà. Donc, c'est-à-dire, on va construire le point E. Donc, AE égale à AC. Bien sûr, AE puisqu'on égale à AC. Et l'angle CAE égale à pi sur 2. Donc, tout simplement, l'angle pi sur 2. Pi sur 2. L'intersection, bien sûr, avec la droite AD. Donc, ça signe le point E. Mais, il y a une construction. Et montrer donc que D est le milieu de CE. Déjà encore, D est le milieu de CE. On va montrer ça. Donc, je vais en mettre la venue. Donc, question 3. On a donc R de C égale à E. Alors, AE égale à C. Comme C appartient à l'LBC, donc l'année. R de C, puisque bien sûr, appartient à R de BC. Donc, l'année, bien sûr, le E, il appartient à DC. L'année est la construction. Donc, le E appartient à DC. Voilà, donc, l'année, encore déjà fait construction, ben, le E appartient à DC. Oh, la question, c'est montrer que D est le milieu de CE. Donc, DC. Égal à DC égale à CE, donc D est le milieu de DC. Donc, donc on a le E appartient à DC, donc il y a une relation de l'année. R de C égale à E, R de B égale à D. Alors, BC, bien sûr, égale à DE. Okay? Donc, l'année. Le mot ici conserve la distance. Donc, l'année BC, on a un BC. Or, BC égale à DC. À la khatab, l'année ABCD, un carré. Donc, on a deux mazous, nous sommes tentés à DE égale à DC. Okay? Donc, DE égale à DC, où le E, bien sûr, appartient. Le E appartient à DC. Alors, l'année. Donc, D, le milieu de EC. Voilà. Donc, elle est la relation 2. Donc, 1 et 2 donnent D, et le milieu de EC. Voilà. Question les bases. Donc, soit C, le cercle circonscrit au triangle au carré ABC. Donc, une carré interne ABCD. Voilà. Donc, le cercle, cercle C. Donc, circonscrit au triangle interne. Alors, qu'est-ce que je trouve le cercle C? Donc, la question. Et déterminer le centre I du cercle C' image de C par R. Okay? Donc, on va déterminer le cercle C. Bien sûr, cercle C est de centre O. Il y a cercle C, il y a carré. Donc, où est-ce qu'il y a le centre I de centre C' de cercle C' image de C par R, la rotation R de centre A et d'angle pi sur 2. Okay? Voilà, donc c'est la clé. On va terminer ensemble donc, ce centre.
Donc, شنو عندنا حنا لهنا؟ Question 4. A. Donc, on a O est le centre de cercle C. Alors, R de O est le centre de cercle C'. B. احنا عندنا انه الاو هي لو ميليو دو اسي اسي هو الوتر اللي هنا نتاع الكاري alors r de o هي r de a r de c هي لو ميليو دو r de a r de c donc لهنا ça c'est r de o donc r de a c'est a ou r de c هي e donc o r de o هي لو ميليو دو a e alors لهنا i اللي هي r de o c'est لو ميليو دو a e voilà. Donc, là, juste sur le milieu de AE. Voilà. Donc, ça, c'est le point. OK. B. La question, donc, les bades déterminer C, l'intersection entre C et C'. Donc, on va construire cercle C'. Bien sûr, justement, le point D, E et A. Donc, ça, c'est le cercle C'. L'intersection, donc là, nous avons les deux points A et D. OK? Et on va démontrer ça. Donc, question B. Alors, on a R de O, il y a I. Alors, AO égale AI. Et comme A, donc, et donc, bien sûr, AO égale à AI, donc A appartient à l'intersection entre C et C'. OK? Donc, kif-kif, on a B appartient de C. Ou R de B appartient, donc, Michikoun, appartient à R de C et niveau de C'. Donc, R de B égale à D appartient à C'. Donc, D appartient à C'. Alors, D appartient à C prime ou déjà D appartient à C. Donc l'intersection entre C et C prime égale à deux points et lui huma A ou D. Voilà. Voilà. Donc بعد la question اللي بعدها juste نوريكم لهنا شويه لنمسي باش تتبعوا معنا. Donc question 5, soit G le centre de gravité du triangle ABC. Et j'ai pris le barycentre des points pondérés B1 et I2. Montrer que R de G égale à G'. Donc, là, j'ai les figures en terre. Alors, j'ai le centre de gravité du triangle ABC. Donc, là, le point G. On va construire le centre de gravité du triangle ABC. OK? On va dire qu'on va déterminer, donc, et G prime, le barycentre des points pondérés D1 et I2, on va montrer que R de G égale à G prime. On va construire le centre de gravité, un LBO. Donc, on a le milieu de BC. Donc, voilà, donc ça c'est le point G. On va construire le point G prime. Donc, G prime, les barycentres. Des points, donc les points pondérés D1 et I2, c'est-à-dire G'D plus 2 G'I égale à vecteur nul. Donc G'D égale moins 2 G'I. Donc le point D, donc moins 2 G'D moins 2 DI. Donc, je dis que je dois aller les 3 G'D égale moins 2 DI, donc qui est égal à 2 ID. Alors, G'D égale 2 tiers de ID. Voilà. Juste dire, on va faire comme le barycentre. Donc,
idée, fini l'idée, avec, je n'ai retourné à deux tiers. Donc, tu dis, bien sûr, qu'elle a donc un qasm, le segment interne, elle a trois parties, on a juste deux parties. Donc, voilà, vite fait, il est. Voilà. C'est un devoir très très intéressant. Là, je vais vous mettre donc, G'D égale 2 tiers ID. Donc, 2 tiers ID. Alors, il y a 2 tiers ID. Donc, G'D. Voilà. Ça, c'est G'D. Donc, l'année montrer que R de G égale R de G'. Juste, je vais vous mettre le graphique et on va montrer. Okay. Donc, on va montrer que R de G égale à G'. Hop. Donc, l'année, on a une faute sur le baril centre. 3G'D égale à moins 2DI. Donc, je vais mettre l'année, on a G'D égale à moins DG'. Ok. Donc, je vais aller l'année, on dit, je vais aller l'année, je vais aller l'année, juste je vais aller l'année. Donc, je vais aller l'année, je vais aller l'année, moins 3DG'. Égale à moins 2DI, voilà. Donc, si ni moins pchim chalor, je prends les DG prime égale à 2 tiers de DI. Alors, il y a DG prime égale à alpha sur alpha plus bêta DI. Donc, c'est-à-dire que puisque le point G prime, on a le mal. Donc, le point G prime, puisque le nez. Goulna, DG prime égale à 2 tiers DI, voilà. Donc, le nez. Puisque G prime, c'est-à-dire, ok, donc, on va les savoir, ok, donc, puis voilà, on a. Ah oui, il y en a presque 0, ok? Voilà. Donc, comment montrer ça? Juste, il y a une faute de signe au cas où. Ok? Ok, dis moi après, quand tu es femme à la question les bas. Alors, il y a une question où nous, donc, montrer que R de G égale G'. Donc, je vais vous montrer R de A, donc montrer que R de G égale à G'. Alors, c'est-à-dire, G est le centre de gravité du triangle ABC. Donc, on dit O est le milieu de AC. Alors, BG égale à 2 tiers de BO. Ok? Donc, BG égale à 2 tiers de BO. C'est la relation du centre de gravité. Donc, l'année, soit K, il y a R de G. Vous êtes malade, c'est lié G'. Donc, R de B égale à D. Ou R de O, il y a le point I. Alors, DK égale à 2 tiers DI. Ok? Quand R de B, il y a D. Ou R de O, il y a I. Alors, DK égale à 2 tiers DI. Donc, l'année, G' le barré centre des points pondérés D1 et I2. Donc, on a bien une DG. Alors, je vous dis comme l'année, la construction. L'équation est dit Timni Barcha. Donc, bien une DG égale à 2 tiers DI. Ok? Donc, DG égale à 2 tiers DI. DK égale à 2 tiers. Donc, 2 tiers. DG' égale à 2 tiers DI. Ou DK égale à 2 tiers DI. Alors, le point K est G'. Voilà. Donc, l'année. C'est-à-dire donc R de G égale à G'. Voilà. La droite AG, donc la droite AG recoupe C en H. Allez, donc, jusqu'au le point H, c'est-à-dire ça, c'est le point H. Et la droite AG' recoupe C' en H'. Réel H'. Donc, l'ENEM montrait que le triangle AH. H' est rectangle et isocèle. Donc, l'année, bien sûr, rectangle, elle a AG' perpendiculaire à AG. Elle est où le H? Donc, quoi, elle est où? Rectangle. Et isocèle, bien sûr, on va montrer ça. Donc, pardon, donc, R est question 5. On a R de AG égale à AG'. Elle a R de A et A ou R de G et G'. Ok? Et donc, et R de C égale à C'. Voilà. Donc, H appartient le C inter AG, mais il y a l'intersection de C ou AG. Alors, R de H appartient le C' inter, donc,
A, G prime. Voilà. Donc, le point R de H, il y a H prime. Donc, R de H appartient à A. H prime. Or, R de A, il y a A. Donc, il y a M, A ou le H prime. Donc, R de A égale à A. Alors, R de H égale à H prime. Donc, je m'attends à R de H égale à H prime. معناه انه AH égale à AH prime, le A est le centre de rotation, nous HA H prime égale à pi sur 2. Voilà. Donc, l'énergie AH H prime est rectangle et isocèle. Voilà. En A. Voilà. Ici, il y a comme un devoir. Devoir, oui, c'est vrai. Mais le devoir de contrôle numéro 4. Ici, il y a. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous joindre à nous.